Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette grande soirée du paranormal. Après les guérisseurs, nous allons nous intéresser à un sujet qui en fait sourire certains, mais qui en terrifie beaucoup. Des bruits de pas, des sensations de présence, des portes qui peuvent claquer, des phénomènes qui peuvent exister dans des endroits où personne n'aimerait vivre. Je parle bien sûr des maisons hantées. Les maisons hantées nourrissent notre imaginaire. Pour beaucoup, elles ne sont que légendes urbaines et vues de l'esprit. On n'a jamais eu de preuves comme quoi il existait des fantômes ou je ne sais quoi. C'est bien dans les films, mais ça s'arrête là. Non, pas du tout. Mais j'ai peur des endroits plus sombres. Je pense que c'est plutôt des problèmes psychologiques qui induisent les gens en erreur et je crois absolument pas aux maisons hantées, non. Et pourtant, le doute est bien présent chez certaines personnes. J'ai eu l'occasion même de vivre dans une maison hantée où il y avait beaucoup de morts, des gens un pasteur qui a été assassiné, un pasteur qui s'est pendu. Ils restent là parce que peut-être qu'ils ont été assassinés. Et ça, les gens qui ont été assassinés, il faut savoir qu'ils ont besoin de s'échapper. Et en même temps, ils sont bloqués entre la terre et l'au-delà. C'est pour ça qu'ils sont encore là, peut-être. Mais j'y crois énormément. Alors, fantômes, esprit, revenant, difficile à dire pour le commun des mortels. Je dirais pas trop les fantômes, je parlerais plus d'esprit. Le corps, c'est qu'une enveloppe. Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur, il y a une âme. Donc quand on meurt, où est-ce qu'elle va cette âme? Je sais pas. Alors, et je pense qu'aucun scientifique n'en sait plus que moi. Donc voilà quoi. C'est peut-être des esprits, hein. C'est peut-être des esprits, on va essayer d'y voir un peu plus clair, avec le père François Brune. Bonsoir mon père. Vous étiez là lors de la première grande soirée du paranormal, vous êtes prêtre et théologien, vous avez écrit plusieurs livres dont les morts nous parlent. Pour vous, père Brune, nous recevons des messages de l'au-delà, vous en avez la certitude, et vous nous raconterez des phénomènes impressionnants qui se sont produits dans une maison, notamment en Espagne, dans quelques instants. Avec nous également Florence Hubert. Bonsoir Florence, vous êtes médium et très jeune, vous avez pris connaissance un petit peu de vos capacités à pouvoir communiquer. Alors, vous avez quand même mis un peu de temps avant de pouvoir les utiliser jusqu'à une expérience de mort imminente qui est arrivée. Vous aviez quel âge ? J'avais une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années, c'était sous l'eau. Oui. Et vous êtes vu partir pendant un petit bout de temps et quand vous avez émergé, c'est le cas de le dire, et bien là vous avez dit, il va falloir que je fasse médium dans ma vie. C'est un petit peu résumé, mais je pense que l'idée est là. Oui, je ne me suis pas dit, il va falloir que je fasse médium. Je me suis dit, mets-toi sur ton vrai chemin, enfin. Mmh. Voilà. Merci. Laurent Bouteiller, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également médium, vous êtes intervenu plusieurs fois dans les maisons, qui sont le sujet qui vont nous occuper pendant cette deuxième partie d'émission. Et vous nous direz pour vous, justement, a priori, quelles peuvent être ces entités et quelles expériences vous avez pu avoir dans ces maisons. Joe Arcy Ahmed, bonsoir. Vous êtes psychanalyste, alors vous n'allez pas avoir exactement le même discours que les trois premières personnes que je viens de présenter. Vous êtes auteur de « Comment penser le paranormal » aux éditions L'Harmattan et vous nous donnerez votre opinion, votre analyse de ces phénomènes puisque vous recevez beaucoup de personnes qui témoignent de phénomènes qui vont nous intéresser au cours de cette émission. On y reviendra. Et toujours Stéphane Alix. Bonsoir. Oh, bonsoir Stéphane. Vous êtes président de l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, et vous avez d'ailleurs notamment suivi une intervention de nettoyage de maison. Alors on va voir dans un instant qu'est-ce que c'est, réalisé par Florence Hubert et Laurent Bouteiller qui étaient ensemble. Vous en direz un petit mot dans quelques instants. Mais avant ça, je me tourne vers vous, Joe Arcy Ahmed, psychanalyste. Pourquoi on aime tant presque ces maisons hantées, j'allais dire. En tout cas, pourquoi les gens aiment un peu avoir peur? On en parle, alors on y croit, on n'y croit pas. Mais ça stimule toujours un petit peu tout le monde hein, dans les parcs d'attractions. La première attraction où on va, c'est la maison hantée. Pourquoi les gens aiment ça? Pourquoi les gens aiment avoir peur, selon vous? Les gens aiment avoir peur ou les gens aiment se faire peur. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a en nous, tout être humain, en lui, des angoisses dites archaïques, c'est-à-dire des angoisses fondamentales, qui portent en général, bien entendu, sur la vie et la mort, d'abord, sur les limites entre le dedans et le dehors. Et donc ces histoires de maisons hantées sont aussi des légendes, hein, très souvent
des légendes, qui permettent de circonscrire dans un lieu et dans un temps ces angoisses. C'est-à-dire que c'est comme un scénario sur lequel on va projeter des angoisses. Et du coup, on est à la fois très proche de ces angoisses, donc on peut avoir peur, suffisamment peur, et suffisamment éloigné pour pouvoir les maîtriser. Donc c'est un jeu entre le dedans et le dehors, et entre les angoisses et la maîtrise des angoisses. Alors on va découvrir tout de suite, pour commencer, pour planter un petit peu le sujet, un reportage que nous sommes allés réaliser dans le nord de la France, à côté de Lille, une maison qui a fait couler beaucoup d'encre, une grande bâtisse qu'on appelle là-bas la maison hantée de M. Regardez. Nous sommes à Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France, à quelques kilomètres de Lille. Cette grande bâtisse a fait couler beaucoup d'encre dans la région. Construite en 1939, elle serait hantée. On raconte qu'il y a quelques années, un enfant de 5 ans serait mort dans des conditions mystérieuses. Depuis, des phénomènes étranges se seraient produits. Des locataires, effrayés par des bruits de pas et des rires d'enfants, auraient quitté précipitamment la maison. Certains occupants s'y seraient même pendus. Ah oui, il y a des gens qui ont rapporté des choses étranges, oui, sur cette maison, oui. J'ai un collègue même qui s'était installé juste derrière la maison, qui vendait du bois, qui était bûcheron. Et il lui arrivait des drôles de trucs. Son bazar, ça a tenu un an. Et lui arrivait des trucs vraiment bizarres. Chaque fois que cette maison a été rachetée, il y a eu des travaux de fait. Et par exemple, il y a eu des choses bizarres, comme les ouvriers revenaient le lendemain, la maçonnerie était tombée. Enfin, ça n'allait jamais. Et tous les propriétaires, donc il y en a eu 3 ou 4, je pense, sont tous morts de morts mystérieuses, si vous voulez, sans explication, et ils sont tous morts dans cette maison. Aucune preuve formelle n'a pu être fournie par la mairie sur ces faits dramatiques. Depuis 2 ans, la célèbre maison hantée de M a été rachetée par une église évangélique dans laquelle officie le pasteur Emmanuel Kamondji. D'après la rumeur, c'est ici que se seraient pendus, semble-t-il, plusieurs personnes. C'est ici que serait mort cet enfant de 5 ans dont on parle. Bon, tout ça, je le mets entre guillemets parce que c'est de l'histoire et c'est d'après cette rumeur-là. Mais nous sommes quand même des croyants. Nous prions Dieu et par sa grâce et sa force, nous pouvons arriver quand même à vaincre les puissances du mal s'il y en avait dans la maison. Nous avons rencontré des personnes qui vivent près de la maison depuis toujours. Bon, j'étais en contact avec un pompier, il m'a dit, moi, je ne viendrai pas ici. Il y avait peur, parce que d'un pompier, les pompiers doivent avoir peur de rien du tout. Mais c'est parce qu'il y a une superstition qui est derrière tout ça, quoi. Dès qu'il y a un accident, la semaine dernière, il y a eu du gel. Le seul endroit où il y a eu un accident, c'était devant la maison, par exemple, vous voyez, juste dans le virage, là. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Parce que là, comme le virage est un peu relevé et que le vent passe et que le gel doit me tenir là, toujours est-il qu'il y a eu encore un gros carton avec un camion qui a fini dans la façade de la maison, quoi. Elle était hantée, nous ne savons pas, mais pour nous, c'est la maison bénie. Légende urbaine pour certains, coup monté pour d'autres, cette toute nouvelle maison bénie alimente pourtant toujours autant les conversations dans la région. Alors voilà, effectivement, ça pose un peu le sujet entre la frontière, entre la réalité, entre les légendes, entre ce que les gens peuvent raconter, ce qu'il y en est vraiment. Et c'est un petit peu ce qui peut se poser dans toutes les maisons dites hantées. Alors je vais me diriger vers vous, les médiums, Florence Hubert, Laurent Bouteiller et le père François Brune. Vous connaissez des cas réels de maisons hantées, vous êtes intervenu dedans. Laurent Bouteiller, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement une histoire de ce type de maison dans laquelle vous êtes intervenu? Oui, bien sûr, je peux prendre le premier exemple qui me vient à l'esprit. À savoir, nous avons été appelés en fait dans une maison par un couple ayant une fille et un garçon. C'est une maison en fait qui était en cours de rénovation. Ils ont fait venir maintes équipes d'entrepreneurs, de maçons, etc., qui, pour des raisons complètement inconnues, n'ont jamais pu terminer les travaux, sont partis sans laisser de traces, sans laisser d'adresse, n'ont jamais voulu réintervenir. Les équipes se sont succédées en fait sans nouvelles. Et puis le couple a constaté régulièrement que le matin à 7 heures, ils entendaient des coups comme
de l'ordre, comme si quelqu'un frappait avec une masse, en fait, dans un mur de la maison. Donc, chacun leur tour, ils sont allés voir, ils n'ont rien trouvé, absolument rien trouvé. Nous avons été appelés pour intervenir sur le lieu avec Florence. Et effectivement, nous avons décelé très rapidement, sur place, tous les symptômes qu'on reconnaît aujourd'hui, en fait, par l'expérience, tous les symptômes qui révélaient la présence d'entités, d'âmes ou d'esprits, en fait, perturbés et qui, de ce fait-là, perturbent les habitants, les vivants. Nous avons été amenés, en fait, à intervenir auprès d'une présence prédominante, on va dire, c'est la première qui s'est révélée, et qui a engendré des symptômes physiques qu'on a pu ressentir immédiatement, que ce soit Florence, moi, mais aussi la propriétaire du lieu qui nous a accompagnés, en fait, dans toute la visite du lieu, à savoir des pressions au niveau de la tête, pressions au niveau des épaules, il y avait des pressions au niveau du plexus cardiaque, du plexus solaire, difficultés respiratoires, donc ce sont des symptômes très courants, sensations de froid, des sensations de courant d'air. Et puis, j'ai dû intervenir auprès de Florence à un moment donné, qui a été en contact direct avec cette présence prédominante, et qui, énergétiquement, en fait, voulait la poignarder. Donc, elle a été prise de pointe au cœur, réellement. Il a fallu que j'intervienne pour écarter cette présence-là et la soulager, en fait, parce qu'elle était vraiment en train de... Et qu'est-ce que vous ressentiez, Florence, à ce moment-là, vous ? Des coups d'épée, comme des coups d'épée, en fait, au niveau du cœur. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous aviez mal, vous étiez, vous pouviez plus bouger, vous étiez complètement tétanisé. Ah oui, mais je suis même tombée. Oui. Mais ça, ça arrive parfois. Mm-hmm. C'est pour ça que dans les maisons où il y a des petits soucis, des gros soucis, moi j'y vais toujours, on y va toujours à deux, mm-hmm. parce qu'on ne sait pas forcément sur qui on va tomber, qui est dans la maison et le niveau de conscience de la personne qui erre dans la maison. Alors, on va en reparler tout de suite. Et justement, nous sommes allés, Florence, non pas vous suivre pour un nettoyage de maison, puisque c'est comme ça que vous dites hein, dans votre jargon, mais lors d'une séance médiumnique publique, puisque tout ça, c'est bien sûr lié avec des entités de l'au-delà. Nous avons sélectionné un extrait de cette séance médiumnique. C'était il y a quelques semaines à Angers. Regardez. Ça a été très vite. Elle m'a dit, j'ai même pas eu le temps de vous dire je vous aimais. Ce sont des bulles qui se croisent et ces amérantes sont dans leur bulle, dans leur chemin, dans leur vie. Parfois, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont mortes. Alors, vous parlez justement d'exorciste, de médium. Nous avons rencontré une personne chez qui vous êtes intervenue, Florence Hubert. Catherine Sen nous raconte son témoignage. Regardez. Catherine Sen a acheté une maison il y a quelques années aux environs d'Angers. Une maison rénovée à la suite d'un incendie. Quand on est venu suivre les travaux qui se finissaient, parce que ça a été un peu long, je sentais des frissons, je sentais que ça ne serait pas si facile que ça. Dès leur installation, Catherine Sen et sa famille ressentent des phénomènes étranges. Le malaise qu'on peut avoir, donc c'est souvent, voilà, c'est toujours des maux de tête. C'était tout le temps, c'était constant et c'était pas normal. Et quand on allait à un endroit précis, vers le ballon d'eau chaude de la maison, moi, je ressentais tout de même un petit peu des frissons. C'est pas le frisson comme quand il fait, je vous dis, moins 12 dehors, c'est pas pareil. C'est quelque chose qui est pas réel. Mais j'ai jamais rien vu. J'ai pas eu des meubles qui claquaient, des escaliers qui craquaient, comme on entend dans certaines maisons. Mais je sentais qu'il y avait des choses qui étaient pas claires. Il y a quelque chose qui est rentré dans ma tête vers 3h du matin, comme une décharge électrique s'est passée par mon coronal, ça m'a réveillée. C'est resté à peu près un quart d'heure en moi et j'ai lutté, puis j'étais furieuse parce que j'ai pas eu peur en fin de compte, mais j'ai été très secouée. Et ensuite, j'ai appelé quelqu'un qui est un prêtre exorciste. C'est une entité qui était là et qui était gênante et qu'il fallait lui demander de partir, c'est tout. On a juste à intervenir, on fait les prières qu'il faut, bien entendu. Et puis rentrer en contact avec cette entité pour lui demander de bien vouloir s'éloigner, qu'elle n'a rien à faire ici. Ce n'est pas toujours évident, quelquefois on a des problèmes parce qu'il y en a qui refusent. Dès qu'il est rentré, et moi je lui ai rien dit, il s'est senti mal à l'endroit où il y avait eu l'incendie. Voilà. Donc tout de suite il a fait ce qu'il avait à faire par rapport à ça. Ensuite il est monté dans les chambres, il a dit que dans les chambres tout se passait bien. Après le prêtre exorciste, la médium Florence Hubert est intervenue dans la maison.
Elle a été un petit peu secouée quand elle est rentrée, mais bon, pas de la même manière que l'avait été le prêtre. Elle a tout de suite vu où ça se passait et elle s'est dirigée aussi vers le ballon d'eau chaude. Elle m'a pas dit qu'il y a une entité, il y a quelqu'un de mauvais. Elle m'a dit c'est la mémoire des murs. Il y a des esprits malins, il y a des perturbateurs dans les entités. Hein. C'est comme, dans les entités, c'est comme sur la Terre. Il y a les biens, il y a les moins biens, il y a les emmerdeurs, il y a de tout. Hein. Il n'y a plus de tension entre les êtres qui vivent dans la maison. Il y a beaucoup d'amour qui est revenu dans cette maison. Vous avez des gens qui vont prendre ça en disant « Bon, celle-là, elle est un petit peu folle, elle n'est pas très nette. » Donc, je pense que je choisis les personnes à qui je peux en parler. Alors voilà, on a vu l'intervention d'un prêtre exorciste, Père Brune. Alors les prêtres exorcistes, c'est encore un petit peu une énigme. Il y en a assez peu, j'imagine, aujourd'hui en France. En principe, il y en a un par diocèse. Alors c'est vrai que c'était tombé un peu en désuétude et puis il y a eu un rappel à l'ordre de Rome. Et alors maintenant, il y en a un par diocèse. Mais est-ce que, alors on va dire, ils ont le titre, mais est-ce qu'ils pratiquent, est-ce que... Alors le problème, c'est de savoir que la plupart d'entre eux ne croient pas du tout aux forces du mal et donc ne pratiquent jamais des exorcismes. Le père Bellego, dans une émission de radio à laquelle je participais, je crois, l'an dernier, reconnaissait qu'il n'avait jamais pratiqué l'exorcisme. D'accord. Mais il y a quand même quelques prêtres, j'en ai connu quelques-uns, qui y croyaient, qui pratiquaient l'exorcisme, et je crois que pour eux, il n'y a aucun doute que ces forces existent, elles sont des forces intelligentes. Il y a également des scientifiques, quelquefois, qui s'y sont intéressés. Je pense à un neurologue célèbre en Italie, dont on avait parlé même de lui pour le prix Nobel, et qui a développé un certain nombre d'appareils qui sont utilisés maintenant dans le monde. Et lui a été obligé de reconnaître l'existence de ces forces, il s'est un peu spécialisé là-dedans. Et il donne toute une série de cas où il n'y a pas d'autre explication possible que d'admettre une rencontre avec des forces qui nous dépassent. Dans quelques instants, d'ailleurs, vous nous parlerez d'une maison où il s'est passé des choses très très particulières en Espagne. Stéphane Alix, je me tourne vers vous. Alors vous, en tant que journaliste, que président de l'INRES, donc qui est un très très ouvert sur tous ces phénomènes et qui les scrute de près, vous avez eu l'occasion de suivre une intervention faite par Florence Hubert et Laurent Bouteiller. J'allais dire, comment c'était, enfin, qu'est-ce que le regard de journaliste peut dire? Là, ce n'était pas tellement le regard de journaliste, on y est allé dans le cadre des recherches que l'on fait actuellement pour le manuel clinique qui sera publié par l'INRES l'an prochain, pour un chapitre justement consacré aux possessions et à ce type d'expérience. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai retrouvé dans cette expérience-là ce que j'avais déjà retrouvé dans d'autres expériences qu'on avait faites avec différents médiums, dont Laurent et Florence également. C'est-à-dire qu'on a voilà, des personnes qui interviennent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, ni d'Ève ni d'Adam, sur lequel ils n'ont pas d'informations, et dans lequel ils captent des informations extrêmement précises sur des personnes. Là, je me souviens de quelque chose qui m'a vraiment, vraiment estomaqué, c'est qu'avant même de pénétrer dans cet endroit, parce que c'était dans la région parisienne, en venant dans la région parisienne, ils avaient eu, Laurent et Florence avaient eu le message qu'il fallait aller à un endroit précis de cette maison, à un endroit bas, dans la cave, une maison qui est très très grande. Donc en arrivant sur le lieu... Avant même de voir le lieu, donc. Avant même de voir le lieu, il y avait, vous pourrez nous en parler, mais il y avait des messages, des communications qui leur étaient données, parce qu'effectivement, comme le disait Florence tout à l'heure, les entités étaient prévenues de l'intervention. Donc quoi qu'il en soit, on arrive dans cet endroit-là, Florence et Laurent savent précisément où il faut aller tout de suite, on descend un escalier dans le noir, vraiment dans le noir, qui donne sur cette cave, et là ils détectent immédiatement la présence d'une personne cachée sous l'escalier, donc je regarde sous l'escalier dans le noir, il n'y a strictement rien, mais eux voient précisément quelqu'un, Florence s'adresse à une jeune fille, elle l'appelle par un prénom, et là je vois les deux propriétaires devenir livides en disant « mais oui, on voit très bien qui c'est cette jeune fille qui s'appelait comme ça ». Et on a eu dans cette maison qui était encore une fois assez grande, on a eu à plusieurs reprises des identifications de personnes extrêmement précises, pour lesquelles, je le redis, ni Florence ni Laurent n'avaient d'informations préalables, qui ont totalement estomaqué les propriétaires de la maison. Et là, on a aucune explication. Et ce qui me frappe, c'est ce que disait Florence tout à l'heure d'ailleurs, c'est qu'on n'est pas devant, on n'est pas dans l'exorcisme là. On est face à beaucoup de confusion. C'est le sentiment que j'ai eu, et la psychanalyste qui était avec moi a eu ce même sentiment. On est de la confusion de la part des entités qui sont censées être là. C'est-à-dire qu'il y a des pertes de repères. On a l'impression de gens qui sont bloqués dans un espèce de scénario, comme
souvent, enfin, de par les recherches que j'ai faites, moi, sur la mort et sur le processus de la mort, on a l'impression qu'on est dans une sorte de rêve, enfin, que ces entités sont dans une sorte de rêve, comme quand vous faites un cauchemar qui vous paraît absurde, mais dont vous ne pouvez pas sortir. Et puis d'un coup, vous vous réveillez, ouh, ça y est, je rêvais. Mais imaginez que vous ne puissiez pas vous réveiller et que vous tournez en boucle dans ce cauchemar, et que ça dure un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans. Les gens auxquels sont confrontés Laurent et Florence, j'ai l'impression que dans beaucoup de cas, c'est des gens qui... Enfin, des gens, voilà. Je prends plus de précautions de langage. Des entités qui semblent être effectivement bloquées dans une espèce de scénario comme ça. Mmh. Et c'est intéressant parce que leur intervention permet de débloquer des choses de façon extrêmement rapide et spontanée. Alors, Georges Lamed, je me tourne vers vous, puisque j'imagine que je vous connais un petit peu avec vos analyses que vous faites, avec votre regard de psychanalyste. Comment est-ce que c'est facile à accepter ce que vous entendez ou comment vous l'analysez ? C'est-à-dire que je l'analyse d'abord en tentant de réintroduire l'être humain. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on a entendu, effectivement, on parle d'entité, on parle de perception, d'un monde invisible, etc. Il y a peut-être des fantômes, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais nous avons nos propres fantômes. Nous sommes hantés nous-mêmes par notre histoire, par nos parents, par nos grands-parents, par l'histoire de l'humanité. Et donc cette hantise revient parfois. Donc ce qui est intéressant et ce qui m'intéresse, et qui intéresse beaucoup de parapsychologues, puisque le problème des maisons hantées, bien entendu, a été étudié depuis très très longtemps, hein, notamment à l'Institut Métapsychique à Paris. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi, dans certaines conditions, ces familles-là ou ces personnes-là vont pouvoir projeter à l'extérieur et éviter ainsi des troubles somatiques, des troubles psychiatriques, projeter à l'extérieur, parfois sous la forme d'apparition ou sous la forme de bruit, quelque chose qui demande à s'exprimer. Alors j'imagine que, je ne sais pas si ça fait très bon ménage des médiums justement avec un psychanalyste ou est-ce que justement vous pouvez marcher main dans la main. Alors Stéphane... Ils disent la même chose. Ils disent la même chose, enfin j'entends moi vraiment la même chose. Johar travaille sur le terrain intérieur. Johar, tu fais un petit peu, elle n'est pas forcément. Non, mais c'est-à-dire que travailler sur le terrain intérieur qui permet à ces choses de s'exprimer. Laurent ne dit pas quelque chose de très différent. Il dit que c'est à l'intérieur de nous qu'il y a ce terrain qui permet à quelque chose d'extérieur. Oublions de savoir si. Vous l'avez dit, on ne peut pas se prononcer sur le fait de savoir si oui ou non il y a quelque chose d'extérieur. On ne pourra pas. Ce qui est important, c'est de redonner une certaine responsabilité au sujet qui vit les phénomènes. Enfin, de mon point de vue à moi, c'est-à-dire de lui redonner sa part, sa participation. Ça ne veut pas dire qu'on l'exclut ou on exclut d'autres dimensions, je n'en sais rien, je ne peux pas me prononcer là-dessus. En revanche, ce que je sais, ce sur quoi je peux réfléchir et aider et accompagner, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'accompagnement, accompagner les personnes qui me sollicitent, c'est les accompagner sur le chemin de trouver le sens, parce que ce qui rend fou, c'est l'absence de sens, c'est quand le sens est perdu qu'on devient fou. Donc retrouver le sens de ce qui nous arrive, le sens de notre participation à ce qui nous arrive, c'est quelque chose qui effectivement aide sur le chemin de chacun. Alors je vois un peu les regards qui partent un petit peu à droite à gauche, de ma place est assez amusant, il y a des regards qui vont au ciel de la part de Laurent ou Florence. Face à ce discours justement, comment vous positionnez donc complètement en décalage ou vous êtes... Non, pas en décalage. Simplement, moi, j'ai constaté certaines choses. Et si vous le permettez, je donnerai juste un petit exemple. Je prends un exemple. Un jour où j'ai un monsieur que je ne connais absolument pas, qui est venu avec son épouse, elle pharmacien, lui banquier. Il est venu parce qu'en fait, depuis deux mois, il ne pouvait plus poser le pied droit par terre. Ça lui occasionnait des brûlures terribles et c'était extrêmement douloureux. Quand il est arrivé, en fait, je l'ai fait allonger sur la table de soins et j'allais commencer, en fait, à intervenir au niveau de son pied, quand tout d'un coup, j'ai été pris d'un froid glacial, ce fameux froid magnétique dont parlait la femme tout à l'heure dans le reportage. Et j'ai tourné la tête et je me suis aperçu, j'ai vu, en fait, un homme présent à côté du monsieur qui était allongé sur la table de soins. Je suis entré en contact avec cette présence. J'ai décrit cette présence au monsieur allongé sur la table de soins. Et d'après la description que je faisais, il m'a dit, mais c'est mon grand-père. C'est mon grand-père paternel. Je lui ai dit, écoutez, il va falloir que j'intervienne, que j'aide, en fait, cette présence qui perturbe. Et qui me fait mal au pied? Alors, laissez-moi finir. J'aide l'âme à partir, en fait, à sortir de son scénario et à changer de plan d'existence, à changer de plan vibratoire. Une fois que ce travail a été terminé, le monsieur qui est allongé me dit, mais au fait, mon grand-père, en fait, avait du mal à marcher du pied droit. En fait, il présentait des ulcères au niveau du pied droit et jusqu'au mollet droit.
On a fait la séance. À la fin de la séance, le monsieur reposait le pied. Alors attention, le résultat n'est pas garanti aussi rapidement dans tous les cas. Le monsieur reposait le pied. J'ai eu des nouvelles 2 mois plus tard où il avait retrouvé une marche tout à fait normale. Ouais. Donc évidemment, à chaque fois, je pense que les anecdotes comme celle-ci peuvent l'une ou l'autre démentir à chaque fois voilà. ce qu'on vient de dire, bien sûr. Père Brune, je me tourne quand même vers vous, avec une histoire, pour le coup, qui est assez bluffante, puisque là, on parle de personnes, on parle d'individus, on parle de « j'ai vu, j'ai senti », mais quand il y a des traces visibles par tout le monde, qui sont prises en photo, là, on est un peu dans un autre discours, et vous allez nous raconter cette histoire qui s'est passée en Espagne, dans une maison en Andalousie. En Andalousie, oui, au mois d'août 1971, dans une maison très simple, très pauvre, la femme qui se penche dans le foyer pour poser sa marmite sur le feu remarque devant elle une figure qui s'est formée sur le ciment de la cuisine, un visage qui semble la regarder. Et alors là, elle est absolument effrayée. Elle va appeler son fils qui va démolir ce visage à coups de pioche. Bon, et puis après ça, on refait le ciment. Et puis voilà que dans les jours qui suivent, d'autres visages vont apparaître. On les voit à l'antenne. On les voit, oui. Mmh. Et ils vont se transformer quelquefois en plusieurs semaines, quelquefois en quelques minutes sous les yeux des spectateurs. Et des parties d'un visage peuvent peu à peu se devenir la partie d'un autre visage. Il peut y avoir des quantités de modifications qui se font. En direct. À plusieurs reprises, alors on va creuser le ciment, on va faire des analyses qu'on envoie dans des laboratoires. Il n'y a aucun pigment colorant, aucun, on en est certain. C'est simplement le matériau même du ciment qui est rassemblé de façon à former de ces figures et elles se déforment sous les yeux des gens. Alors, à un moment même, on va recouvrir ces figures d'un plastique que l'on va sceller et on va, pendant 3 mois, observer, être absolument certain que personne n'y entre. Et voilà qu'après ça, lorsqu'on va enlever le plastique, on va enlever les scellés, on va reconnaître que les dessins quand même se sont transformés, il n'y a aucun doute. Un des cas les plus extraordinaires, c'est un visage qui était particulièrement grand, 40 cm de large sur 60 de haut, et là, assez beau, on va arriver à enlever la plaque d'un seul tenant, et du coup, on va l'incruster dans le mur, en le recouvrant d'une vitre. Et voilà qu'au cours des années, parce que le phénomène va durer pendant des années, cette figure incrustée dans le mur va lentement glisser en s'approchant du foyer de la cheminée. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'investigations justement scientifiques sur ces phénomènes? Ça a été... Mais oui, bien sûr, il y a eu un tas. Hans Bender, qui est un des plus grands spécialistes du paranormal en Allemagne, disait que c'était le phénomène le plus extraordinaire du siècle. À un moment également, on a eu l'idée, alors que tout était scellé, bien fermé, de laisser des magnétophones sur place. Et alors là, ils sentent d'ailleurs de plusieurs origines, notamment des cris, des hurlements, des appels à l'aide, c'est vrai, d'autres voix qui avaient l'air tranquilles. Certains des problèmes, c'est qu'on a également des visages qui sont... qui expriment la douleur, qui expriment la terreur, d'autres qui ont l'air tout à fait sereins, souriants. Et cette maison aujourd'hui est habitée? Alors elle est encore habitée maintenant, mais on a remarqué aussi, et alors là c'est intéressant aussi pour toi, c'est que les visages semblaient être en conformité avec l'état de santé de la maîtresse des lieux, de Maria Gomez. Quand elle était malade, les visages étaient beaucoup plus pâles. Quand elle allait mieux, ils reprenaient de la couleur. Georges Siemet, par rapport à ce que vous venez d'entendre justement... J'imagine, je ne vais pas vous demander une explication, hein, je serais vraiment cruel de faire ça, mais qu'est-ce que vous entendez à travers ce discours qui paraît très probant et on a vu des images? Ben, j'ai envie de dire pas grand-chose, dans la mesure où c'est une énigme, comme il y a beaucoup d'énigmes dans l'histoire de l'humanité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être comme un détective dans cette maison, c'est-à-dire vraiment de savoir l'histoire totale de toutes les familles qui ont... Puisqu'il y a toujours quand même une famille qui est là, il y a toujours de l'humain. Par qui ça transite? Il ne faut pas oublier ça. Alors, depuis qu'elle est morte, le phénomène a cessé, n'est-ce pas? Elle est morte en 2004 et le phénomène a cessé. Alors voilà, vous faites magnifiquement ma transition, Père Brune. Oui, le phénomène qui cesse lorsque la maîtresse de maison disparaît, malgré tout. Il y a quand même certainement avec cette femme, sans aucun doute. Mais il y a quand même des phénomènes qui se produisent d'année après année, de siècle après siècle. Et là, évidemment, des gens décrivent
tout le temps les mêmes phénomènes. Et c'est le cas d'un reportage qu'on va voir tout de suite. Ça se passe à l'abbaye de Mortemer, qui se trouve pas très très loin de Paris. Et nous avons rencontré, vous allez voir à la fin de ce reportage, une personne qui pour la première fois a accepté de témoigner à visage découvert. C'est une journaliste qui a pris des photos très étranges il y a quelques années. Regardez. C'est à une centaine de kilomètres de Paris que fut bâtie au XIIe siècle la première abbaye cistercienne de Normandie, Mortemer. Des phénomènes qui se produisent d'année après année, de siècle après siècle. Et là, évidemment, des gens décrivent tout le temps les mêmes phénomènes. Et c'est le cas d'un reportage qu'on va voir tout de suite. Ça se passe à l'abbaye de Mortemer, qui se trouve pas très très loin de Paris. Et nous avons rencontré, vous allez voir à la fin de ce reportage, une personne qui, pour la première fois, a accepté de témoigner à visage découvert. C'est une journaliste qui a pris des photos très étranges il y a quelques années. Regardez. C'est à une centaine de kilomètres de Paris que fut bâtie au XIIe siècle la première abbaye cistercienne de Normandie, Mortemer. Outre son aspect historique, cette abbaye serait hantée depuis 8 siècles par celle que l'on appelle Mathilde, la Dame Blanche de Mortemer. Petite fille de Guillaume le Conquérant, épouse de Geoffroy Plantagenet, duc d'Anjou, elle y aurait été emmurée, isolée par son redoutable père qui lui reprochait une conduite un peu légère. Tout ce qu'on colporte sur cette abbaye, c'est pas depuis hier. Ça fait plus d'une centaine d'années que l'on sait que cette abbaye est hantée. D'ailleurs, les gens du village savent qu'elle a été exorcisée plusieurs fois. Donc c'est sérieux. Mathilde avait tellement mauvais souvenir de cette abbaye isolée où elle a été vraiment cloîtrée pendant 5 ans, qu'elle réapparaîtrait donc les nuits de pleine lune au bord des étangs. Mais elle n'est pas méchante, c'est une apparition, mais qui n'est pas maléfique. C'est une apparition, une simple apparition. Nombreux sont ceux qui ne voient que rumeurs et légendes dans les mystères de Mortemer. Et pourtant, certaines personnes ayant séjourné dans l'abbaye rapportent des histoires pour le moins troublantes. Une comédienne a dormi dans une chambre rouge et le lendemain matin, elle a expliqué qu'elle avait senti une présence tout près d'elle. Une présence, c'est pareil, qui ne faisait ni de mal ni de bien, mais qui était là. Et un autre comédien a dit « je vais vérifier ». Et il a dormi la nuit d'après dans la même chambre et en pleine nuit, il a vraiment senti une présence et il a tapé vite, vite, vite dans le couloir auprès du voisin qui est venu à son secours. Mais quand on allume la lumière, tout disparaît. À une époque, il y avait des bureaux dans l'abbaye, il y avait des employés, il y avait plus de 30 employés, et donc le comptable restait tard le soir, et il entendait des pas au-dessus de lui, il entendait des bruits, des portes qui claquaient. On a eu des gens qui ont essayé de mettre des petits scotchs sur les portes, et puis le lendemain matin, les portes étaient toutes grandes ouvertes, alors que personne ne logeait dans l'abbaye. Les visites de l'abbaye de Mortemer sont ouvertes au public, et des spectacles y sont régulièrement organisés, notamment dans les ruines de l'abbaye. On était passé toujours devant ce grand mur avec un groupe de personnes, et on était 30 personnes, et on entendait chut, chut, chut. Alors les gens se regardaient les uns les autres en disant qui a le culot de dire chut quand la scène de théâtre a joué, il n'y avait pas de bruit. Et puis ensuite on a entendu du bruit, un gros bruit comme un chuchotement, mais ce n'était pas les gens qui avaient dit chut, c'était le bruit, un bruit qui sortait des ruines, qui disait chut, mais très clairement. Donc on entend, bon bien sûr on peut dire, c'est peut-être la forêt, mais c'était très drôle parce que pendant le spectacle, ça ne disait plus, avant oui et après oui. Alors bon, le groupe s'est resserré un peu, puis on est parti un peu plus loin. En 1994, une journaliste a pris une photo très étrange en ces lieux. Celle-ci a été analysée dans des laboratoires et jusqu'à aujourd'hui, aucune explication rationnelle n'a pu être fournie. Je prenais des photos des monuments et quand je confiais ma pellicule au photographe et quand j'ai récupéré mes photos, il y avait cette photo pour le moins bizarre que j'étais sûr de ne pas avoir prise parce que j'avais rien vu de qui ressemblait à ça. En plus, le flash n'a pas fonctionné. Les tout premiers temps, j'ai pensé à un trucage. Bon, ça me semblait bizarre quand même. Et puis après, j'ai dit, c'est pas possible. Bon, ça pouvait pas être un trucage. Donc, j'ai pas compris. Et l'année d'après, rebelote, moins net, mais j'ai eu la même photo. Ça durait 2 ou 3 ans, jusqu'au jour où je suis allé faire un reportage.
reportage pour mon journal en noir et blanc. Et je suis rentré, c'est moi qui développais ma pellicule. Quand j'ai vu sur la pellicule en noir et blanc qu'il y avait encore la photo, j'ai été doublement étonné dans la mesure où je n'étais pas du tout allé dans l'endroit où je l'avais habituellement. Alors j'ai cherché s'il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient capté des photos comme ça aussi. Au nombre de visiteurs qui prennent des photos, c'est tout de même curieux que sur le temps et le nombre, il n'y en ait pas au moins une ou deux comme ça. Bien sûr, on retrouve, même si on y met de la bonne volonté, on retrouve quand même cette chouette sur l'épaule. Et ça, avant, moi, je l'ignorais, puisque j'ignorais qu'on avait représenté Mathilde avec cette chouette sur l'épaule. J'ai pas peur, mais j'ai toujours l'impression d'avoir quelqu'un avec moi. Mythe ou réalité? Pour certains, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Voilà. Alors, c'est des phénomènes qui sont extraordinaires, je le disais. Comment vous pouvez les expliquer, vous, médium, par exemple, Florence? C'est un phénomène naturel, extraordinaire, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de tous ces phénomènes. Donc, on découvre de plus en plus, mais ça a toujours, toujours, toujours été. Et puis, vous savez, vous avez des entités ou des âmes qui sont prêtes à écouter ce qu'on a à leur dire et qui sont prêtes à monter, aller sur leur niveau sur leur niveau de conscience. Et puis, vous avez des âmes qui ne sont pas prêtes à monter, qui errent et qui sont bien en train de errer, sur lesquelles on ne pourra jamais rien faire. Ce serait le cas de cette dame. Ça serait le cas de cette dame, voilà. Elle n'a pas compris qu'elle était décédée, mais notamment elle fait du mal à personne, elle est chez elle et puis elle continue à errer. Donc c'est des sujets, des phénomènes qui restent assez étranges, un petit peu liés à ce dont vous parlez, Père Brune, avec la maison de Belmez, avec ces images qui apparaissaient. Oui, ça ne suppose pas d'ailleurs forcément qu'il y ait des entités à ce moment-là dans cette cuisine. Ça peut très bien également être un phénomène d'ondes rémanentes. Mmh. Je crois qu'il n'y a pas uniquement le cas d'entités qui viennent à nouveau hanter les lieux, mais quelquefois tout simplement des ondes du passé qui restent. Mmh. Alors notamment la distinction, c'est lorsqu'on peut engager le dialogue avec cette entité ou lorsqu'on ne peut pas. Si on peut engager le dialogue, c'est que vraiment il y a la présence de quelqu'un de l'au-delà qui est là. Si au contraire on a beau essayer de lui parler, essayer de faire des gestes, des mouvements pour provoquer des réactions, et que l'image qui passe n'en tient aucun compte, on a probablement affaire simplement à un phénomène d'onde rémanente. Mmh. Alors... Quand on a des prénoms aussi, c'est très important. Quand on est allé dans cette grosse maison et qu'on a enfin réussi à dégager cette entité qui m'a un peu agressée, et que cette entité s'est présentée à moi, il s'est nommé Eugène. Et ensuite, les gens chez qui on était m'ont attrapé. C'est quand même assez matériel, assez rationaliste, pardon. Hein. Et donc la femme m'a attrapé, elle m'a dit voilà ce que j'ai dessiné avant d'acheter la maison. Donc elle avait dessiné sa maison, et au-dessus elle avait marqué chez Eugène. D'accord. Avant d'acheter la maison chez laquelle, dans laquelle on est allé, où on a envoyé Eugène sur son niveau de conscience, son plan vibratoire. Écoutez, c'est avec cette anecdote qu'on va terminer cette émission. Effectivement, elle représente bien, puisque coïncidence pour certains, beaucoup plus que ça pour d'autres. Évidemment, le but de cette deuxième partie d'émission, c'était absolument pas de donner une vérité sur quoi que ce soit. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais c'était un petit peu de faire un point sur différentes façons de penser les choses. Le mot de la fin à Stéphane Alix sur tout ce qu'on a entendu dans cette deuxième partie. Je pense qu'il convient vraiment de continuer à rester ouvert sur ces choses-là, essayer de faire de la recherche autant que faire se peut, comme le disait Johar, l'Institut Métapsychique est à la source de pas mal de recherches et de pas mal de réflexions sur ces sujets. Il convient de poursuivre ce travail et plus on sera à faire de la recherche là-dessus, plus vite on aura des éclaircissements. Merci beaucoup Stéphane Alix. D'ailleurs, je rappelle que ce magazine, l'INRES, vient de sortir avec justement des recherches sur tous ces phénomènes, pas forcément les maisons, mais tous les phénomènes et expériences extraordinaires qu'on peut découvrir dans cet ouvrage. Numéro 2 du magazine de l'INRES qui est adressé à tous les adhérents de notre institut. Merci également à Johar Siamed d'avoir été avec nous en plateau. Et je présente donc votre livre aux éditions L'Armatan, Comment penser le paranormal, psychanalyse des champs limites de la psyché. Voilà votre, on va dire, un peu ce que vous pensez de ce sujet, de
phénomène est bien expliqué dans cet ouvrage. Père Brune, alors vous avez écrit beaucoup de livres, hein, dont je disais, donc je ne les ai pas là, mais je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous et de vous avoir rapporté le témoignage sur cette maison en Andalousie. Et puis, nos deux médiums, bien sûr, Laurent Bouteiller, merci beaucoup. Merci. Et Florence Hubert également. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Alors voilà, hein, le paranormal pour cette émission s'achève. Et qui sait, je termine sur cet adage, le paranormal d'aujourd'hui sera peut-être le normal de demain. Quoi qu'il en soit, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Merci à tous. Au revoir.